Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15. Mon nom est Bruno Leprat. Je suis facilitateur de cet échange, de cet après-midi même, et journaliste de formation. À mes côtés, avec leur micro, pour se chauffer un petit peu la voix et vous accueillir, je vais vous présenter d'abord Esther Yafundwe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes élue locale de Garoua-Boulaye. Si. Vous êtes madame le maire, dit-on ? Je suis le maire de la commune de Garoua. D'accord. Depuis combien de temps maintenant ? Je suis à la tête de cette commune depuis 2007. D'accord. Donc je suis à mon deuxième mandat. Et ce que vous nous direz dans quelques instants, après une introduction de votre voisin, c'est la façon dont votre territoire est confronté aujourd'hui à une situation très préoccupante qui est cet afflux, je crois, de réfugiés venus de la partie voisine qui est le pays de Centrafrique. Oui. Voilà, merci de votre présence. À vos côtés, monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Est-ce cela, René-Emmanuel Sadi ? Tout à fait. Voilà, bienvenue en France, bienvenue dans ce forum. Vous allez introduire le propos de ces deux élus locaux qui sont confrontés, me disiez-vous tout à l'heure, à une situation préoccupante. Est-ce que c'est aussi, vous le dites de façon très délicate, mais pour les hommes de terrain, les hommes et les femmes de terrain, entre Boko Haram et les réfugiés, c'est quand même, j'ai envie de dire, dramatique ? Oui, on peut le dire aussi. C'est pratiquement une situation dramatique que vivent ces personnes qui sont confrontées directement à ces deux situations, aussi bien dans l'extrême nord qu'à l'est de notre pays. C'est vraiment une situation dramatique. Voilà, que vous connaissez, il n'y a pas pire en termes sécuritaires dans votre pays que ces deux confrontations d'un territoire avec une tension internationale géopolitique. Donc, pour l'instant, pour l'heure, ce sont véritablement les deux défis sécuritaires que nous avons au Cameroun, auxquels nous sommes confrontés. Et vous nous direz également, mais vos voisins également, comment la solidarité internationale s'organise déjà et peut aller un peu plus loin dans cet appui à vos élus locaux. À mes côtés, bonjour monsieur, vous êtes Steny Boukar. Oui, c'est bien. Voilà, Lamine de votre prénom, et vous êtes vous maire de Kolofata. C'est bien cela. Voilà, peut-être un petit mot sur ces deux collectivités, sur ces deux territoires. Kolofata, combien d'habitants et quelle est un petit peu la typologie socio-économique de ce pays, de ce territoire ? Oui, merci. Kolofata est une communauté qui s'étend sur à peu près 540 km² et qui regroupe 80 000 habitants et qui a la particularité aussi de partager avec la République voisine du Nigeria une frontière, j'allais dire, longue de presque 50 km. Et les peuples qui y vivent sont des peuples d'agriculteurs, d'éleveurs, et bien entendu de commerçants qui font des activités économiques transfrontalières. C'est un milieu multiconfessionnel, multicommunautaire. Il y a des musulmans, des chrétiens, et qui vivent en harmonie. Un merveilleux paysage fait de montagnes et de plaines. Donc voilà. Voilà, et malheureusement troublé depuis quelques années par cette émanation de l'État islamique en Afrique qui s'appelle Boko Haram et qui vient terriblement troubler la vie de votre territoire. C'est cela, malheureusement. Ouais, vous nous direz comment vous essayez d'assurer une continuité de service et de mettre en place tout ce qu'il faut en termes de sécurité. Juste, Madame Yafundwe, sur la commune dont vous êtes l'élue, présentez-la nous en quelques chiffres ou en quelques mots. La commune de Garoua-Boulaye est une commune située à la lisière de la Centrafrique. C'est une commune qui a une superficie de 2125 km² avec avec 80 000 habitants et 50 000 réfugiés. Donc au total, nous avons une popularité de 130 000 âmes que nous gérons. Et elle est créée en 1977. Et cette commune est essentiellement agricole et un peu de commerce qui fait l'objet de leur survie. Et face à cette situation, depuis 2012, la situation de cette commune s'est dégradée avec l'arrivée massive des réfugiés qui a perpétuellement perturbé le fonctionnement de notre commune parce que nous vivons dans une zone essentiellement
dans l'insécurité autant pour moi, puisque de temps en temps, nous avons des groupes armés qui viennent poser des exactions. Et à l'heure où nous parlons, nous faisons croire qu'un des nôtres, le maire de la commune de Lagdo, a été pris en otage jusqu'aujourd'hui depuis avril, depuis le mois de mai 2015, et il n'a jamais été libéré. Monsieur Sadi, comment entendre cela et quel est le propos qu'en cette année 2016 vous avez envie d'apporter à vos compatriotes et plus largement à la communauté européenne ? Écoutez, si vous me le permettez, je vais faire partager avec les personnalités présentes à ce focus un peu la réalité sécuritaire du Cameroun en présentant très sommairement notre pays et par la suite éventuellement donner une idée globale de la situation que nous vivons, que vivent les communautés locales et bien sûr les mesures que le gouvernement camerounais a déjà eu à prendre et continuera de prendre pour faire face à la situation. Alors, mesdames, messieurs, le Cameroun s'honore de vous accueillir au Focus Pays du plateau média qui lui a été dédié par les organisateurs du 7e Forum de l'Action internationale des collectivités. Aussi, en tant que chef de la délégation camerounaise à ses assises, je tiens à vous remercier pour votre présence qui témoigne sans nul doute de l'intérêt que vous portez à notre pays. Situé dans le golfe de Guinée, le Cameroun, vous le savez, partage ses frontières avec le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville. Il est considéré un peu comme l'Afrique en miniature en raison de sa grande diversité géographique et climatique. Il compte en effet, entre autres, plus de 250 ethnies. Le Cameroun est un pays bilingue qui a opté pour langues officielles le français et l'anglais. Sa population jeune en majorité est estimée à plus de 22 millions d'habitants. Plus de 58% de cette population vit en milieu urbain, dont la moitié dans les deux plus grandes villes du pays, que sont Douala et Yaoundé, la capitale. Au plan politique et administratif, le Cameroun est une république sous la forme d'un État unitaire décentralisé, de régime politique et de type présidentiel, avec un parlement bicaméral, Assemblée nationale, Sénat. Le Cameroun compte 10 régions administratives, 58 départements et 360 arrondissements. La décentralisation y est en marche, notamment depuis la constitution de 1996. Les collectivités territoriales décentralisées actuelles sont les communes et les communautés urbaines. Le Cameroun est un pays stable, un havre de paix. Il est réputé être une terre d'accueil et d'hospitalité. Dans une sous-région marquée par des crises sociopolitiques à répétition, ainsi que par les effets néfastes dus aux exactions de la secte islamiste Boko Haram. Le Cameroun fait ainsi face depuis quelques années, à l'est et au nord de son territoire, à un afflux sans précédent de réfugiés, fuyant les répercussions de la crise sociopolitique en République centrafricaine, les exactions de la secte Boko Haram, ainsi que les effets de la guerre menée contre cette secte terroriste qui sème le deuil et la désolation dans de nombreuses familles. L'on dénombre ainsi, à ce jour, près de 325 000 réfugiés vivant sur le territoire camerounais, majoritairement constitué de Centrafricains et de Nigériens. Tandis que, dans le même temps, le nombre de déplacés internes est évalué à plus de 190 000 personnes. Pour mieux mesurer l'ampleur et la gravité de la situation humanitaire actuelle au Cameroun, il convient de retenir que près de 2 700 000 personnes sont à divers degrés affectées sur le territoire camerounais par cette double crise. Ces personnes ont de ce fait besoin d'une assistance humanitaire dans divers domaines, notamment sanitaire et alimentaire, ainsi que dans ceux de l'encadrement scolaire, de la prise en charge psychosociale, de la fourniture en eau potable et de l'assainissement. La gestion de ces réfugiés et déplacés internes amène les communes et communautés villageoises qui les accueillent et naturellement l'État à relever des défis de plusieurs ordres.
humanitaires, socio-économiques, managériaux, sociologiques, écologiques et sécuritaires. Ni les communes concernées, ni l'État ne disposent de capacités infrastructurelles et humaines à même de relever l'ensemble de ces défis. D'où l'appel lancé par le Cameroun à la communauté internationale et aux organisations humanitaires internationales qui, fort heureusement, réagissent de manière appréciable à nos sollicitations pour la maîtrise de cette crise. Je tiens d'ici à les en remercier au nom du gouvernement et du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, la décentralisation, c'est aussi la gestion des affaires locales sur la base du principe de subsidiarité. Nos communes, déjà confrontées à de nombreuses demandes de leur population en quête de services de base essentiels, éducation, accès à l'eau, assainissement, santé, électrification, bref, en quête de développement, voient ainsi leurs actions inhibées, leurs moyens réduits du fait du non-recouvrement des impôts et taxes, réduction des activités économiques et commerciales. En somme, leur organisation et leur fonctionnement sont perturbés et leur développement fortement compromis. Notre présence ici nous offre certainement l'occasion de lancer un plaidoyer pour davantage de solidarité en faveur de nos communes sinistrées, une manifestation accrue de solidarité, de soutien de la part des collectivités et d'autres pays pour relever les défis de toute nature liés aux crises humanitaires et sécuritaires qui leur sont imposées. Au demeurant, quelques maires des communes concernées, dont les deux à mes côtés, font partie de la délégation que je conduis à ce forum. Ils pourront tout à l'heure évoquer ces situations dramatiques qu'eux-mêmes et leur population vivent au quotidien. Mesdames, Messieurs, sur cette brève présentation du Cameroun et ce rappel de la situation que vit notre pays, je tiens à vous remercier de votre bien aimable attention. Monsieur le ministre, quand vous disiez que la réaction des instances internationales, associations, pays, organisations, avait déjà été appréciable, quelles ont été ces formes? Quels sont les points, les modalités qui vous ont plus particulièrement touché? Oui, je pense que nous faisons face du fait des menaces de Boko Haram dans l'extrême nord et de la crise centrafricaine à l'est, nous faisons face à un afflux massif de réfugiés. Évidemment, cette situation également a eu comme conséquence au niveau interne le déplacement de nombre de populations camerounaises vivant dans les frontières entre le Cameroun, le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique. Alors, dès le départ, évidemment, le Cameroun, le gouvernement camerounais a dû faire face un peu tout seul à cette situation en mobilisant des ressources pour venir en aide à ces populations en détresse. Ça se traduit en termes d'acquisition d'équipements, déjà, pour essayer de leur trouver des abris, des tentes. Ça se traduit aussi en termes de mise en place de dispositions pour faire face aux nombreux problèmes que ces populations vivent en termes de santé. Ensuite, vous savez, la promiscuité des populations qui se massent comme ça dans des espaces assez réduits, c'est une promiscuité évidente. Il faut donc leur donner des conditions de vie minimales. Et tout ceci, le gouvernement camerounais a dû le faire dans l'urgence. Alors nous avons fort heureusement bénéficié de l'appui de la communauté internationale, comme je l'ai dit. C'est ainsi qu'avec la contribution d'organisations telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous avons pu, avec l'expertise qui est la leur, mettre en place un dispositif beaucoup plus approprié. Des services de base, de santé, ont été mis en place avec leur appui. Évidemment, ils nous ont également aidés pour essayer d'apporter une aide en alimentation à ces populations. Nous avons également le PAM, qui est une organisation planétaire connue et qui approvisionne les camps de réfugiés. Nous avons mis en place des camps de réfugiés dans le nord
Nous avons un grand camp de réfugiés qu'on appelle Minamao, qui a pu offrir des commodités de vie à peu près aujourd'hui à 70 000 réfugiés dans l'est du Cameroun. À peu près 150 000 réfugiés centrafricains sont logés dans 5 camps de réfugiés. Également dans la région de la Damawa, nous avons 2 camps de réfugiés. C'est des régions qui sont limitrophes de la Centrafrique. Donc, avec l'aide des organisations internationales en termes d'alimentation, en termes d'équipement, en termes de médicaments et bien d'autres besoins, n'est-ce pas, qui sont des besoins d'urgence, nous essayons de faire face à la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a évidemment permis à ces gens de bénéficier de conditions de vie acceptables. Il y a même des écoles qui ont été construites et des enfants qui vont à l'école et qui sont présentés à des concours officiels. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le camp de Minao, dans le Nord Cameroun, nous enregistrons de nombreuses naissances. 70 naissances pratiquement par semaine, c'est beaucoup. Donc globalement, nous, le Cameroun continue de faire des efforts, mais nous devons pouvoir saluer l'aide que nous apporte la communauté internationale. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc. sont autant d'organisations qui nous permettent de faire face à la situation. Petite question presque hors de propos, mais puisque c'est aussi la question institutionnelle qui nous réunit, est-ce que la structure décentralisée du pays permet aujourd'hui une réponse plus efficace que si le pays avait été, comme dans la mouture ancienne, très centrale? Je pense qu'à ce niveau, on ne peut pas affirmer que les communes seules, du fait de la décentralisation, aient les moyens nécessaires pour faire face à des défis aussi colossaux. Véritablement, elles apportent l'assistance qu'elles peuvent avec des autorités administratives, notamment en ce qui concerne l'encadrement scolaire, l'encadrement sanitaire, les approvisionnements en eau, mais à elles seules, naturellement, elles sont pratiquement impuissantes face à une situation aussi dramatique. Donc on peut dire que véritablement, cette affaire a été, dans un premier temps, et le sera encore, une affaire de l'État camerounais, et bien sûr, comme je l'ai dit, avec l'appui des organisations internationales. Madame Yafoundoué, continuons sur votre témoignage. Déjà, depuis combien d'années cette question des réfugiés préoccupe-t-elle la porteuse de mandat que vous êtes, d'un deuxième mandat? Et puis, comment peu à peu avez-vous géré cette crise? Quelle résilience aussi allez-vous mettre en place? Merci une fois de plus de me passer la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de nous avoir conviés à ce forum et aussi remercier l'État camerounais et surtout notre ministre de tutelle qui a permis que nous fassions part de ce forum. Et nous voudrons vous dire, depuis 2008, la commune de Garoblé a commencé à accueillir une première vague de réfugiés. La situation s'est empirée avec le problème sociopolitique de la Centrafrique en 2013, où nous recevions en une journée 3000 réfugiés, ce qui n'était pas attendu de notre commune. Face à cette situation, nous avons commencé à vivre des situations de crise, déjà la crise alimentaire que nous ne pouvions plus supporter. L'État camerounais a eu à faire beaucoup d'efforts en apportant de l'aide avant que les organismes internationaux ne viennent à leur tour apporter un peu d'appui à ces réfugiés. Et nous voulons ici dire que cet appui que les organismes internationaux apportent concerne essentiellement les réfugiés. Déjà, avec la situation d'insécurité, nos populations ne peuvent plus vaquer à leur occupation parce que c'est une commune essentiellement agricole.
nous ne pouvons plus aller au-delà de, d'un kilomètre du village pour pratiquer les activités agricoles, ce qui nous impose une situation de crise alimentaire actuellement. Et les structures d'accueil telles que l'éducation de base, la santé, nous ne disposons pas d'assez de moyens pour pouvoir supporter ces flux de réfugiés parce qu'il y a assez d'enfants qui ont besoin d'être éduqués, il y a assez d'enfants qui ont besoin d'être pris en charge dans le domaine sanitaire. Nous allons voir à titre d'exemple le camp de Gado Badjere. Gado Badjere est un village de 4000 habitants, mais qui abrite 23 000 réfugiés. Et nous trouvons que c'est un peu superflu. Et les moyens que le gouvernement a pu mettre sur place pour subvenir aux besoins de ces réfugiés ne parviennent pas à combler les besoins. Ce qui fait que nous sommes là, nous avons des difficultés, nous ne pouvons plus respecter notre cahier de charges pour nos populations. Nous passons plutôt du temps, puisque c'est de l'aide humanitaire, nous, il faudrait qu'on encadre nos frères qui sont venus dans des situations déplorables et qu'on puisse aussi leur accorder la facilité de vivre en paix pendant tout leur séjour. Donc, pour le moment, nous osons croire que l'action internationale des collectivités est une opportunité pour nous de pouvoir lancer un regard vers nos communes pour qu'ils puissent nous apporter davantage de l'aide à long terme et pour pérenniser cette situation que vit la commune de Garoua-Boulaye. Donc je pense que, comme vient de dire son Excellence Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas la seule commune qui vit cette situation au long de la lisière de la Centrafrique. De l'Adamawa jusqu'à l'Est, il y a plusieurs communes qui vivent les mêmes situations de crise dans leur localité. Et nous pouvons parler en lieu et place de ceux-là qui ne sont pas là, qui ne sont pas avec nous. Donc, nous avons également le problème d'insécurité parce que nous avons perpétuellement les prises d'otages de nos populations. Donc, c'est un peu difficile pour nous, localement. L'État a déjà beaucoup fait, puisque l'État camerounais n'attendait pas cette arrivée massive des réfugiés, mais la convention nous amène à accepter l'arrivée massive de nos frères qui sont de l'autre côté de la Centrafrique. À cet effet, nous sommes là, nous plaidons pour que la communauté internationale, les collectivités de décentraliser de l'action internationale, autant pour moi, puissent nous aider dans ce sens pour pouvoir remonter, relever ce défi. Est-ce que votre commune avait déjà des accords de coopération avec des collectivités européennes ou françaises, par exemple? Et est-ce que le plaidoyer que vous formulez vous amènerait à inviter quel type de collectivité pour vous aider? Qu'est-ce que un conseil régional, une commune, une communauté d'agglomération? Quel est un peu le destinataire de votre propos? Nous n'avions pas eu de convention avec d'autres collectivités au préalable, mais je pense qu'il est grand temps pour nous de pouvoir inviter des communes, des collectivités, une agglomération des communes à pouvoir nous permettre d'être en convention dès aujourd'hui pour qu'on puisse aller au bout de notre soif. Et quels seraient les besoins précis que vous formulez et que cette convention, ce partenariat avec une série de communes françaises, par exemple, pourrait combler? Nous avons besoin des structures d'accueil telles que la construction des écoles, le problème d'assainissement et d'eau, le problème dans le domaine sanitaire. Nous avons aussi besoin, puisque ces réfugiés installés là n'ont pour source de revenus que l'utilisation de bois de chauffe qu'ils vendent pour pouvoir acquérir un peu de moyens. Ça veut dire qu'ils sont en train de détruire la nature, qui est l'actualité d'aujourd'hui par rapport à la lutte contre le changement climatique, dont le problème de reboisement se pose également. Donc, en bref,
C'est ce que je peux citer pour le moment. Monsieur Sadi, un commentaire sur le témoignage de cet élu local. Oui, je confirme l'analyse et le condensé des propos de Madame le maire. Et je le fais d'autant que j'ai eu moi-même l'occasion d'aller à Garamblay, d'aller visiter le camp de réfugiés qu'elle a cité tout à l'heure, dont je peux dire qu'effectivement, Garamblay est une localité, une sous-préfecture, qui est véritablement aujourd'hui confrontée au contre-coup néfaste d'une présence massive de réfugiés centrafricains. Donc c'est une commune qui a besoin d'aide, c'est une commune qui doit pouvoir être soutenue, et je crois que l'appel qu'elle a lancé ne peut qu'être appuyé par le ministre de tutelle que je suis. Ces questions démographiques, politiques, de sécurité, vous renvoient à quelle époque de l'histoire du pays? Le défi d'aujourd'hui, lié à ces réfugiés, à ces exactions, y a-t-il dans l'histoire politique, l'histoire institutionnelle du Cameroun, un moment aussi crucial? Le Cameroun, du fait de ses atouts, notamment des atouts politiques que sont la stabilité de notre pays, a toujours été une terre d'accueil des pays en crise. Nous avons eu dans les années 80 déjà à accueillir des réfugiés venant du Tchad. Comme d'une manière générale, nombre de réfugiés africains trouvent chez nous un accueil favorable. Les ressortissants des pays des Grands Lacs, notamment le Rwanda, qui ont connu des moments difficiles, ont trouvé asile au Cameroun. Donc on peut dire qu'effectivement nous avons une tradition d'hospitalité. Et donc c'est des situations que nous avons déjà eu à gérer, mais évidemment aujourd'hui elles se présentent sous une ampleur tout à fait différente et avec une acuité des plus aiguës. Autre témoignage, peut-être, Monsieur Steny Boukar, donc pour la commune de Kolofata, peut-être une réaction confraternelle par rapport aux propos de Madame Yafundoué, et puis faites-nous part aussi de ce récit, de cette histoire de territoire que vous êtes en train d'écrire ou qui s'écrit malgré vous. Oui, merci. Je voudrais, tout comme l'a fait Madame Yafo, faire mienne ces appréciations des invitations qui nous ont permis, des opportunités qui nous sont offertes pour participer à cette plateforme. Et notamment remercier donc le ministre de tutelle pour cette invitation. Madame Yafo a parlé et je me suis reconnu dans beaucoup de points, mais on a beaucoup de similitudes. Et je commencerai par dire, comme elle l'a dit, il n'y a pas que sa commune qui connaît cette situation, il y a tout un ensemble de communes le long de la frontière. C'est également le cas en ce qui nous concerne, pour le Nord Cameroun, ce sont trois départements qui sont touchés, le département du Logone-Chari, le département du Mayo-Sava, donc où se trouve Kolofata, et le département du Mayo-Tchanaga. Et tout ceci fait près de 500 km de frontière avec le Nigeria. Et donc c'est pratiquement les mêmes phénomènes que nous vivons. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de similitudes. Et je voudrais, si vous permettez, rappeler un peu le contexte dans lequel, un peu l'histoire de cette région qui fait partie du bassin du lac Tchad. Et il n'y a pas que le Cameroun, il y a le Tchad, le Nigeria et le Niger qui partagent donc cet espace, qui a eu dans le passé une vie qui a été fortement structurée par l'enseignement de l'école coranique islamique, et bien avant les colonisations. Et par la suite, au moment des indépendances, le modèle de gestion de la société qui est basé sur les constitutions n'a pas pris réellement en compte ce modèle, ce système d'éducation. Donc, il y a tous ces gens qui se sont trouvés un peu en marge de la société et qui ont eu des ressentiments. Et l'élément déclencheur dans cette situation, c'est que certains États, certains voisins, ont reconnu la charia dans certains États, et puis ça a donné l'opportunité à ceux-là même qui se sentent frustrés de réagir pour dénoncer la gestion politico-administrative ou même
la gestion religieuse de certains leaders religieux musulmans qu'ils considéraient comme être en compromission avec les pouvoirs en place. Et ça, tout ceci se passait en dehors du Cameroun. Et du fait que nous avons une longue frontière commune, nous avons subi donc les effets de cette guerre qui n'était pas à l'origine la nôtre. Et donc nous avons connu deux grandes vagues de migration des populations. La première vague, c'est l'entrée massive de ce qu'on a appelé des réfugiés, mais il y avait également des retournés, selon la terminologie qui est employée. Et les retournés, ce sont des Camerounais qui vivaient au Nigeria et qui ont donc fui cette insécurité et qui se sont retrouvés dans des familles qui les reconnaissaient plus ou moins. Et quand on ne retrouvait pas les familles, on squattait les édifices publics pour rester. Mais quand on réfugiait, le HCR les a pris en charge. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, un camp leur a été aménagé à Mineo, où ils se trouvent. Et puis la deuxième vague de migration humaine, c'est une migration interne. C'est-à-dire que ce sont des populations qui sont parties, des populations camerounaises vivant à la lisière de la limite avec le Nigeria, et qui se sont vues obligées de partir de leur localité pour des zones plus intérieures et plus sécurisées. Notamment, je prends l'exemple de Kolofata, qui a eu le bénéfice, à la suite de réactions des pouvoirs publics à cette insécurité, qui a eu le bénéfice d'abriter une base du bataillon d'intervention rapide. Et ce noyau militaire est apparu comme étant un noyau de sécurité. Et tous les villages périphériques donc, se sont agglutinés à Kolofata et qui a finalement vu sa population qui est passée de 7000 habitants en temps normal à près de 30 000 en ce moment. Et donc, au-delà de ces populations de Kolofata, il y a plus de 20 000 autres déplacés qui se trouvent dans les localités plus intérieures de notre commune. Cette situation n'est pas sans conséquence et pour les populations d'accueil qui se retrouvent subitement en train d'accueillir les gens, et donc le stock alimentaire est très vite épuisé, et également pour l'environnement qui subit une pression avec, dans le cas de Kolofata, des services de base qui ont eu du mal à suivre. Et comme vous l'avez demandé à M. le ministre, de telles calamités ne peuvent pas, dans le contexte de notre évolution institutionnelle, se contenter de la réaction des communautés. Ça revient de responsabilité de l'État, qui a bien réagi avec des dons alimentaires. Et ce geste a été suivi par nos partenaires au développement et partenaires internationaux, notamment les organisations internationales. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Existe-t-il une solidarité entre collectivités locales dans votre pays? C'est-à-dire, on comprend que l'État vous appuie en tant que commune, mais d'autres régions, d'autres villes sont-elles solidaires? D'autres villes camerounaises? Alors, je pense que M. le ministre était le mieux placé pour répondre à cette question, mais j'en ai été bénéficiaire, je peux vous dire que cet élan de solidarité qui a débuté par la réaction du chef de l'État a été largement suivi par toutes les villes et toutes les communes, toutes les sensibilités du Cameroun qui ont collecté des dons de toutes sortes et qui ont été acheminés vers les zones de crise. Nous avons bénéficié de quantités, extrêmement... Parce que c'est une situation qui était de nature à créer un désastre humain, certain, et qui heureusement s'est trouvé avec cette réaction, avoir des effets atténués, et on a l'impression que bon, on vit normalement malgré la pression de cet afflux. Je sais que M. le ministre a envie de réagir. Juste avant, une question à l'élu local que vous êtes. Vous êtes le maire, donc, originalement, institutionnellement, de 7000 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes le maire de 30 000 personnes au total? Comment se passe cette transition où justement, cloisonnez-vous les choses en vous disant rien n'est définitif, les choses vont redevenir comme avant? En fait, je ne suis pas le maire de 7000 personnes, je suis le maire de 80 000 personnes au niveau de toute la commune. Et 7000 personnes, c'est la ville de Kolofata. Et c'est cette ville qui a eu une vague de près de 20 000 déplacés.
et qui se sont retrouvés donc en train de gonfler la localité. Mais il y a d'autres déplacés également. Au total, vous ajoutez à ces 80 000, mais attention, il y a aussi une chose, c'est que les 80 000 d'origine, il y en a qui ont dû partir, qui ont dû partir et pendant que d'autres arrivaient. Mais globalement, il faut penser qu'il y a à peu près 50 000 populations résiduelles auxquelles se sont ajoutées tous les déplacés que j'ai nommés, donc à peu près plus de 60 000 aussi qui sont venus. Et le problème que cette situation pose, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'adaptation des situations de base. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Non, je me demandais si vous sentiez le maire aussi de ces populations réfugiées. Bien sûr, et c'est ce que j'étais donc en train de vouloir dire. Vous vous sentez nécessairement concerné parce que, un, il y a une pression sur vos populations d'origine, et puis vous avez le réflexe humanitaire qui reste du mandat quand même de nos communes de réagir à de telles calamités. Et donc nous essayons à notre niveau, aux côtés des efforts consentis au niveau national, de poser des actes comme la multiplication des forages, la mise à disposition des édifices publics qui sont malheureusement abandonnés par leurs occupants parce que les gens ont dû partir plus à l'intérieur, et les services de santé qu'on essaie de faire en collaboration avec la Croix-Rouge internationale. Mais tout ceci, si j'allais dire, c'est du rafistolage parce que il nous faut repenser maintenant, penser même au retour des déplacés vers leur terroir d'origine, pour ceux des Camerounais qui sont venus chez nous, et penser donc aux conditions de leur accueil, et créer les conditions d'un séjour réussi, et surtout se focaliser sur les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, qui sont surtout les jeunes, qui sont la proie des discours extrémistes, faire en sorte qu'ils ne soient pas tentés de partir vers des illusions. Bon courage. Dans votre mandat dure jusqu'à quand, vous ? Ben, en principe, jusqu'à 2018. En principe, ouais. Certainement. Et vous, madame ? Également, 2018. Bon courage donc dans le cadre de ce mandat. Monsieur le ministre, votre voisin parlait de rafistolage. Quelle est maintenant la période qui s'ouvre pour le Cameroun dans cette gestion de humanitaire, sécuritaire de ces dossiers ? Et puis nous finirons là. Mais je voulais appuyer un peu ce que venait de dire le maire, que presque, pratiquement jamais le Cameroun n'avait face aux défis sécuritaires et ses conséquences sur l'existence de nos populations. Jamais, véritablement, dans très peu de cas, notre pays ne s'était mobilisé de cette manière, avec une telle spontanéité, et tous les Camerounais se sont sentis concernés. Il y a eu un tel élan de solidarité qui a pratiquement est allé au-delà, n'est-ce pas, des réactions des communes de cette région. C'est tout le peuple camerounais qui s'est mobilisé pour venir en aide à nos compatriotes affectés par la situation dans l'extrême nord du pays. C'est ce que je voulais ajouter à la suite de ce qu'a dit Ilomer. Et je pense que cet élan de solidarité a véritablement été salué par tous. Vous savez, les Camerounais ont un certain nombre de choses autour desquelles ils ont coutume de se mobiliser. Derrière leur équipe de football, ils se mobilisent. Derrière leur président, ils se mobilisent. Mais face à la menace de Boko Haram, véritablement, notre pays a manifesté une telle mobilisation, une telle solidarité, que véritablement l'idée d'une nation unie, d'une unité nationale, d'une conscience nationale n'a jamais été aussi réelle, effective dans notre pays. Je suis ministre en charge de l'administration et j'ai moi-même conduit vers l'extrême nord des dons qui ont été collectés sur l'ensemble du pays à plusieurs reprises. Et évidemment, des dons également qui sont venus de la communauté internationale. Donc, c'est pour vous dire que vous avez posé la question de savoir aujourd'hui où est-ce que nous en serons. Oui, que vous souhaitez pour sortir du rafistolage ? En fait,
Oh, je ne pourrais pas parler de rafistolage parce que nous faisons tout ce qui est possible. Le gouvernement, les partenaires internationaux, les pays amis nous aident de façon très appréciable. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a un plan d'urgence qui a été mis en place par le président de la République pour justement venir en aide à toute cette région qui est aujourd'hui considérablement affectée par la situation de Boko Haram. Il s'agit de reconstituer le tissu économique, il s'agit d'aider les populations à se réinstaller, il s'agit véritablement de, également d'apporter une réponse, pas seulement sécuritaire, mais en termes de développement. Pour faire face à cette situation, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la réponse à cette situation que nous vivons dans l'extrême nord du pays, du fait de Boko Haram, ne sera pas que militaire, ne sera pas que sécuritaire. Il faudra qu'elle soit une réponse de développement. Et donc, il y a un plan d'urgence qui a été mis en place par le président et la communauté internationale, avec le gouvernement camerounais également, a essayé de mettre en place, concevoir un plan humanitaire qui a été chiffré à peu près à 280 millions d'euros. Donc c'est autant dire que nous allons véritablement aller au-delà du rafistolage. Nous allons, parce que conscients que cette situation n'est pas près de s'achever et que nous devrons véritablement encore pendant quelque temps faire face à cette situation, nous sommes en train véritablement de mettre en place des mesures qui soient des mesures pérennes pour faire face à cette situation. On va, madame et messieurs, on va vous remercier. Désolé, on aurait pu avoir un échange, mais on va privilégier la ponctualité. On a préféré vous écouter. Et de ce fait, nous allons rendre l'antenne. Merci beaucoup et bonne suite.